À l'époque, les Africains se sont tus. Ils étaient endormis, ils n'ont pas vu les dangers. Aujourd'hui, les dangers, il est à nos portes. Chez nous-mêmes, d'ailleurs. Il est chez nous et il est aux portes du Sénégal. Les Sénégalais et les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement. Aujourd'hui, c'est facile. Au Burkina, ça a été facile parce qu'ils sont en train de mourir. On n'a pas besoin de leur montrer les dangers. Ils sont dans leur... Les Niger, ils risquent de partir le 30. S'il n'est pas parti même avant ça. En tout cas, j'espère qu'il va se ressaisir, se corriger et prendre son peuple et son armée comme complice, se libérer de la France. C'est à cette seule condition qu'aujourd'hui qu'il faut rebâtir, qu'il peut rebâtir quelque chose de nouveau. S'il se libère de la France, qu'il se détache de cette CEDEAO, qu'il restaure sa confiance avec le Mali, avec le Burkina et la Guinée, qu'il prend son armée comme complice, qu'il identifie de nouveaux partenaires, qu'il arrête le contrat de Areva tout de suite et qu'il cherche d'autres partenaires pour le Niger par rapport à l'air iranien et les recherches. Je peux t'assurer que Bazoum va se sauver. Mais s'il continue dans la posture actuelle où il est là, non, je vois très mal le Niger résister au soulèvement du peuple. Et surtout au verdict de Dieu. Moi, je dis, ce qui arrive, il y a Dieu derrière tout ça. Parce que les peuples africains ont souffert. Absolument. Tout le monde l'a dit. Même les chefs d'État européens ont dit que l'Afrique a été saignée par la France. L'Afrique a été saignée par la France. Alors, je pense que ce qui arrive aujourd'hui, il y a la main de Dieu derrière. Alors, croyons. En tout cas, pour le Mali, on est parti. Je le répète, je ne me laisserai jamais de le dire. Ceux qui font le commerce de la peur, les entrepreneurs de la peur. Vous savez, je me permets de dire ce que je veux. Moi, je n'ai aucun devoir de réserve. Je n'ai aucun devoir de réserve. Absolument. Est-ce que je ne suis ambassadeur de personne, je suis un citoyen malien, je suis un parlementaire, je suis libre de dire ce que je pense et dans les termes et les propos et la formule que je veux pourvu que ça soit bien compris par les Maliens, par les Africains et au-delà dans le monde. J'ai dit aujourd'hui, on n'a pas besoin aujourd'hui de beaucoup d'arguments pour démontrer que le principal ennemi de cette Afrique, c'est la France. Nous devons bouter la France de l'Afrique ou que la France elle-même se change et qu'elle nous apporte un nouveau langage. Parce que, je l'ai dit, nous ne sommes pas contre le peuple français. Mais la politique française et sa diplomatie ont saigné l'Afrique et ont détruit les Africains. Cela, on ne l'accepte plus. C'est pourquoi je dis qu'Abri Mor n'a pas peur de couteau. Je le répète, qu'Abri Mor n'a pas peur de couteau.